m'appelle Alex Imbeau. Je suis dans la ville de Québec au mois de mars. Moi, je débute dans le domaine du bonsaï. C'est le premier hiver que je fais hiverner mes arbres. Ici, c'est pas été évident avec des températures jusqu'à moins 35. Donc, ça demande beaucoup de logistique. Fait que je suis ici pour vous présenter mon processus d'hivernation de nos arbres. Ici, on est au Québec, dans la ville de Québec plus précisément, en Haute-Ville. Moi, j'habite dans un milieu urbain, en condo. Puis l'espace est assez restreint pour cultiver le bonsaï, c'est pas évident. Surtout l'hiver. Moi, je débute dans le domaine. Puis, au début, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Quand j'ai su comment il fallait hiverner nos arbres l'hiver, j'ai fait ça peut être assez compliqué parfois, surtout en condo justement. Donc avec les membres du groupe de bonsaï de Québec, chaque personne a le truc. Fait que c'est avec ça un peu que je me suis inspiré. Fait que moi, avec mon imagination, j'ai pu construire une boîte de même. En récupérant des 2x4, des palettes, des lattes de bois de palettes sur mon chantier de construction. J'ai rajouté du tissu géothermique à l'intérieur et du styrofoam haute densité à l'extérieur. Ça me donne un espace d'air aussi entre les deux. Ça donne un peu plus d'isolation. Dans le fond, le but, c'est que les arbres ne soient pas trop au foie, exposés au foie. Là. En bas de moins 2-3, ça commence à être foie pour les arbres. Mais comme ici, j'ai des arbres semi-rustiques et rustiques, là, des mélèzes d'Amérique. Là, ça, c'est bien résistant au froid. Comme un pin mugot aussi ici. Fait que dans le fond, moi, j'ai mis ça dans une boîte. Aussi, j'ai rajouté une feuille de styrofoam entre mes bacs et les dalles de béton pour donner une petite protection supplémentaire au froid, pour pas que nos arbres soient directement assis sur les dalles de béton qui sont assez froides l'hiver. Quand ça descend à moins 35, là, c'est pas évident. Enterrer ça de neige un peu. J'ai du paillis en plus que je rajoute là-dedans. Puis dans le fond, mes boîtes ici, ça c'est pour protéger mes dalles de béton de la terrasse commune. Là, faut pas trop que ça salisse au printemps, ça fait en faire moins à ramasser, par respect. Ensuite, chaque pot, dans le fond, je les ai tous emballés d'un tissu géothermique pour pas que mon substrat soit trop sale quand je déballe au printemps. Puis ça va être bien important que mes arbres soient bien arrosés au réveil au printemps. Peut-être début avril, peut-être bien, je dirais. Aussi, une autre chose qui est bien importante, mais que j'ouvre la boîte au printemps,
Ça va être au moins laisser mes arbres à l'ombre, au moins 2 semaines. Parce que, tu sais, au réveil, dans le fond, il a passé l'hiver à l'ombre. Pas de soleil, rien. Fait que le soleil, sur le coup, ça va être assez dur pour l'arbre. Fait que ça va être bien important qu'il soit à l'ombre au moins un bon 2 semaines. Bien arrosé aussi, pour pas qu'il sèche. Ce qu'on peut rajouter, c'est de la neige pour isoler notre arbre. Quand arrive les premières neiges, là, au début de l'hiver, on peut rajouter de la neige, comme ça. Et ça, c'est un autre petit truc aussi qu'on peut faire pour isoler nos arbres en rajoutant de la neige. Parce qu'ici, de la neige, on n'en manque pas de la neige cet hiver. Et comme ça, il n'y a pas de trouble. C'est important de mettre des vendeurs parce qu'ici, ils vendent pas mal. Puis, je veux pas que ça parte au vent. Et comme ça. Seulement, c'est bon. On va aller sur mon balcon. J'ai une boîte identique à ça, mais plus petite, que j'avais commencé. Je me suis rendu compte vite que je n'allais pas avoir assez de place. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une plus grosse boîte ici. Fait qu'on va aller voir ça. Venez-vous. Bon, fait que voici ma première boîte que j'ai faite, comme un peu prototype. C'était comme un essai. C'est la même chose, même principe. Puis je me suis rendu compte que ça avait l'air à bien marcher. Mais l'espace est assez restreint. Les arbres, ça prend assez de place. Surtout quand on commence à en accumuler une dizaine, là, ça va vite puis qu'on manque de place. Ça fait que je me suis décidé d'en faire une autre sur le toit, comme on a vu précédemment. Donc, mes arbres que j'ai ici, j'ai un tuyau occidental. J'ai un genévrier ici qui n'est pas comme Ben's. Qui sont chacun isolé comme on peut voir là. Le bac de culture isolé avec mon tissu géothermique individuellement. En plus de ça, là-dedans j'ai un fond de terre que j'ai enterré mes pots dedans. Après ça, enterré de paillis, de la terre. Puis je mets de la neige aussi quand que la neige aille. Je peux prendre de la neige qu'il y a sur le balcon quand que l'hiver commence. Je sac ça, tout ça là-dedans. Je ferme ça. Demain, c'est prêt pour l'hiver. En plus de ça, j'ai rajouté une feuille de styrofoam en dessous pour protéger du ciment direct. Vu que c'est pas en pleine terre, on n'a pas de source de chaleur thermique du sol naturel. Donc, le plus possible, j'essaie de protéger du froid au ciment. Quand on fait le ciment, ça vient assez froid l'hiver à moins 30. Là, ça peut être assez frit. Fait que c'est pas mal ça qui est l'hivernation de nos arbres. Un coup qu'ils sont bien à l'abri, prêts pour l'hiver. On veut s'en réoccuper l'hiver. Ce qu'on peut faire, culture d'arbres tropicaux à l'intérieur. Moi, c'est ce que j'ai commencé à pratiquer aussi avec des tablettes. J'ai fait artisanalement, bois de palette, lumière. En plus de ça, la conception de tablettes à bonsaï aussi. J'ai découvert récemment. J'avais une grande passion pour ça. Puis c'est de même que ça nous garde bien occupés quand il fait bien frais l'hiver ici au Québec. Fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. J'aimerais ça remercier Fabrice Ortès de Nedicant Canal qui a pu rendre cette vidéo-là possible. Les membres du groupe Bonsaï Québec et de la Société de Bonsaï de Penjing du Québec aussi. Donc, j'espère que ça vous a plu et peut-être pour une prochaine vidéo. Merci, à la prochaine!